Ouais, merci Étienne, très gentil effectivement de produire. En plus, ils vont être accompagnés juste derrière eux par le magazine. Bon, je crois qu'on peut les aligner, on peut les féliciter. Alors je vais demander à Jean-Louis de nous expliquer un peu sous quel amur il navigue au niveau des trois frères. Bonjour tout le monde. Donc le trois frères navigue sous le Taïwan, la grande voile. Il a réduit sa voilure à cause du vent qui était assez fort, de manière à ce qu'il puisse faire ses manœuvres relativement sécurisées maintenant. Donc le trois frères vient d'avoir 75 ans. Il est classé monument historique. Suit le joli vent. Joli vent qui vient d'avoir 60 ans. Troisième bateau, le Mad Air Geek. Bateau qui a été construit au chantier du Geek et qui est propriété maintenant de l'association. Les trois bateaux, le joli vent, trois frères. Et en fait apparaître quelques petits bateaux, ce sont les fameux voiles aviron dont on vous a parlé tout à l'heure. Ils sont partis un peu plus tard et ils arrivent dans le port avec leurs grands frères. Un bateau que vous allez apercevoir très rapidement, il s'agit du Corbeau des Mers. Le Corbeau des Mers est aussi un bateau classé monument historique. Il faisait partie de la flottille des marins sénans qui, en juin 40, ont répondu à l'appel du général de Gaulle et sont partis en Angleterre avec des aussi avec une chargée d'histoire. Derrière, il y a plein de petites voiles aviron, et je suis un compétent pour vous les présenter tous. Donc le Corbeau des Mers va passer devant le petit port de Parna. Il est juste. Désolé de vous déranger, effectivement. Mais que la fête reprenne. Et donc je redonne le micro à Jean-Louis pour qu'il nous explique effectivement. Alors j'en profite quand même pour vous dire qu'il y a effectivement des fin 19e, début du 20e siècle. Vous pouvez remarquer la différence de voilure et la taille un peu plus petite du Sinago Jean et Jeanne. Il a des voiles carrées car il était fait pour naviguer dans le golfe. C'est un super aussi petit bijou. Sur les trois autres Sinago qui vont réapparaître bientôt, vous avez pu apercevoir que les voiles sont appliquées. C'est des voiles carrées avec un triangle au-dessus pour prendre le vent un peu plus. Vous allez avoir aussi vos meilleurs ennemis, le Sinago Criales de l'île aux Moines, qui nous a fait la grande amitié de venir aussi nous rejoindre. C'est une association qui est basée sur l'île aux Moines. Et c'est un bateau qu'on a tous les ans fait une petite régate. On a énormément de mal à les battre. Il ressemble pas mal aux trois frères. Là, c'est pareil, lui, il navigue aussi avec la misaine et le Taïwan. Alors, vous pouvez les applaudir parce que ce sont des sacrés marins aussi. Hein. Merci Romère. Vous avez maintenant une péniche hollandaise. Son poids est d'environ 20 tonnes. Et sur le côté bâbord et tribord, vous pouvez voir des planches de bois qui sont immergées à moitié. C'est leur dérive, c'est ce qui leur permet de faire des virements de bord. Vous allez le voir peut-être virer devant Porana. Revenir vers nous parce que pour prendre leur mouillage, il faut qu'il soit face au courant. Il reste quelques petits bateaux à venir, dont une yole de banterie. Soit de marchandises entre les plages, les quais et les bateaux quand ils ne pouvaient pas accoster. Donc c'est pareil, c'est un bateau qui est voile et aviron. Et ces bateaux, quand ils sont à voile, c'est très très difficile de les rattraper. Ils sont courageux.
Oui, alors là, c'est une erreur. Je ne suis pas beaucoup plus compétent que lui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des bateaux qui effectivement fonctionnent aussi bien, enfin naviguent aussi bien à la voile qu'à l'aviron. Vous verrez qu'au niveau des équipages, ça peut aller de la personne en solitaire à un équipage de 5. Donc les bateaux réapparaissent. Bien évidemment, c'est le trois frères en tête avec le Bagadig. Donc je vais laisser la parole à Jean-Louis pour vous recommenter. Et puis le Jean et Jeanne, avec des tailles diverses et variées. Cyril, si tu m'entends, n'hésite pas à venir nous rejoindre parce que tu connais bien tous ces bateaux, toi qui présides une association qui œuvre dans le patrimoine maritime sur ses nez et qui fait partie du tissu local quand même. Naviguer et travailler sur les six navires. Ils n'étaient pas courants dans les comités de pêche. Vous pouvez voir la différence entre le trois frères qui est à quai et le Jean et Jeanne qui se présente face à vous. La différence de taille qui est... Alors quand même, pour que vous sachiez, normalement on attendait quand même plus de bateaux que ceux qui sont actuellement. Il faut comprendre que beaucoup, vu la météo qui est prévue pour demain, ont pu préférer, on peut les applaudir très fortement, merci. Le corbeau des mers, on attend le Maverdi et puis le Jean et Jeanne. Alors c'est parti, on va refaire une suite. Je vous ai dit que vous pourrez danser. C'est vrai que c'est un peu en pompe, donc c'est peut-être un peu risqué. Si vous voulez, n'hésitez pas. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu risqué. On va en faire deux encore. Et je sais qu'il y a le sac de ces qui doit être dans le pôle qui va prendre la suite. Merci beaucoup. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Très bien, merci. Ça me gêne pas, je fais des coupures. Ça devait être un bateau comme ça, que vous avez tapé notre vieux, c'est un bateau qui vous dit. C'est Malou ? Oh, c'est un peu raté.
dédié à toi, Lévi Baptiste de Motorel. Elle est belle comme elle est belle comme tu n'es
éphémère. Dans le corail d'un lagon vert. Et je me dis que si je pouvais, pour moi seul toujours la garder. Je n'irai plus comme les copains. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.